Ah, je trouve pas le mot. Un petit accompagnement facile. Alors regarde. On va faire trois types à la noire, à la croche et pourquoi pas en slap. Regarde. Première, donc à la noire. Tu vois, t'entends le métronome. 1, 2, 3, 4. Il est à 80. Donc on va faire un enchaînement qu'on trouve partout. Dans toutes les, quasiment dans tous les thèmes de jazz, beaucoup la musique pop, variété. Donc, premier accord là, on va faire des noirs. 3, 4, ré, 1, 3, 4, sol, 2, 3, do, 2, 3, 4, fa, 2, 3, 4, si, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, on revient sur là, et on repart. 4. Donc ça, attends, je coupe le métronome, ça c'était à la noire. Donc la noire, tu te rappelles, tu prends ton tempo, donc c'est le batteur qui fait tac, tac. Donc ton tempo est 1, 2, 3, 4. En fait, les noirs, tu joues sur tous les temps. Maintenant, on va faire l'accroche. Donc l'accroche, tu joues deux croches par temps. Ça fait 1 et 2 et 3 et 4. Et... Donc au lieu de jouer 4 fois 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu joues le double. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et... Attends, je te mets le métronome. Parce que quand même. Donc c'est 80. Si c'est un peu trop rapide, tu baisses un peu. Hein. Regarde, 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Les doigts, hein. Regarde. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok? Toujours index majeur. Donc à la noire, tu alternes tout le temps, sur tous les temps. Et à la croche, 1 et 2 et 3 et 4. C'est un peu rapide, j'ai peut-être un peu le... Je te diminue un peu le tempo. Quand tu commences, c'est pas évident. Je l'ai mis à 72 là. On descend un peu. Ok? Donc ça, on a vu noir, croche, 1 et 2 et 3. Et là, noir pointé. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que c'est noir pointé? C'est du chinois. Tu vois, c'est facile, regarde. On fait le tour. La, ré, ré, sol, do, fa, si, mi. Ok, donc ça c'est noir pointé. Tac. 1-1, tu vois, tac, 1-1, alors donc ça c'est bon, maintenant on va rajouter, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter les quintes, donc tu te rappelles, on a vu, donc, attends, j'éteins le truc là, parce que c'est un peu, ça clique, on a vu noir, croche, 1 et 2, et surtout tu mets un métronome, si tu mets pas de métronome, ça sert à rien, c'est mort, tu seras complètement à côté de la plaque, parce que le batteur il va, ta 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 ta, d'accord? Ok, donc on avait vu le, on va remettre un peu de, donc là on a fait que les toniques, d'accord? On va mettre la quinte. Tu te rappelles, on avait vu ça dans un précédent vidéo. La quinte, ça te permet d'enrichir un peu l'accompagnement, de pas faire un truc basique. Mais après, le basique, ça passe toujours. Hein. Vaut mieux jouer basique
et être nickel que jouer que en mettre des caisses et d'être complètement à côté de la plaque. Donc si on met la carte, regarde. Voilà, on va faire ça. Je te mets le métronome après. Fa. Donc là, je vais mettre le métronome et on va le faire avec la quinte. Donc ça veut dire que la tonique, c'est celle qui donne le nom de l'accord. Donc tu vois, là. Donc on va faire tonique, temps 1, 2, tonique, temps 1, 2, quinte, temps 3, 4. Ok, c'est parti, on met le métronome. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4. 1. Surtout, tu comptes bien. Sol, ré, do, sol, fa, do, fa. Fa, quinte bémol. Quinte bémol, alors le quinte bémol, on l'avait déjà vu, tu te rappelles, quinte bémol. Et ben tu prends la cinquième note, donc la quinte, et tu la descends d'un demi-ton. Attends, j'arrête le truc là parce que c'est. Tu vois? Tu prends donc Fa, quinte de Fa, donc c'est Do, quinte de La, Mi, Ré, La, Sol, Ré. Sol, Fa, Do, Si. Et alors, normalement, la quinte juste de Si, la quinte, ça te paraît un peu bizarre comme nom, mais c'est la cinquième note. Quand tu pars de ta note, tu comptes 5. Donc, logiquement, quand tu pars du Si, la quinte juste, qui est toujours juste, c'est comme ça, ce serait un Fa dièse. Tu vois? Mais sur cet enchaînement d'accords, ça va pas, c'est une quinte bémol. Donc bémol, au lieu de faire 2, 4, ben tu fais 2, 3. Bon, je vais te la, on va la refaire ensemble, tu vas voir. 3, 4 et 3. Donc ça marche. La progression, tu pars du noir, tu finis, tu continues en croche. Après tu mets la quinte. Et ensuite, on va mettre un peu de dynamique avec le. On va mettre un petit peu de notes en plus. Enfin, deux notes en plus. On va rajouter. On va jouer deux fois la quinte. Ça veut faire un petit côté, tu sais, un petit côté un peu brésilien. Enfin, ben, brésilien. Un peu bossa, ça. Hein. Je suis planté. On va mettre le métronome. Do. Fa, si, quinte bémol, fa, mi. On met le métronome, c'est parti. 1, 2, je vais mettre là, je vais le monter un peu, tu vois, 76, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4 et 1, tu vois. Ré, tu répètes deux fois la 4. 'Si tu commences, tu débutes, tu joues basique, tu cherches pas à comprendre.
ça en slap, hein. On s'en le verra plus tard parce que c'est un peu plus compliqué. On met un petit métronome un peu plus rapide. Tu vas voir, on va l'essayer de. Donc le but du jeu, tu fais ça doucement. Tu commences doucement et on essaye de faire un peu plus, tu vois, un côté un peu plus. On appelle ça du 2-4. C'est tan 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 tan. On va le jouer comme ça. Donc ça veut dire que je le mets à. On va le mettre un peu plus rapide. Regarde. 110, ça fait. Sol. Do. Mi. La. Voilà. Sol. Fa. Si. Travaillez la 110 comme ça, regarde. Tu peux faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vois, je fais un mix. 3, 4, Fa. 3, 4, Si. 1, 3, 4. 1, 3, 4. On a fait un petit échantillon sur la fin. Donc tu vois, tu pars doucement. Donc là, on est allé vite à 110, mais ça sert à rien d'aller vite au départ. Quand tu commences, tu poses. 1, 2, 3, 4. Et tu penses toujours à compter. Si tu comptes pas, c'est mort. Ça sert à rien. Si tu comptes pas, la basse, faut la vendre. Ça sert à rien du tout. Si t'es bassiste et tu comptes pas, t'es pas en place. Ça sert à rien du tout. Bon, allez. Tu prends ta basse et t'y vas. Et puis. Abonne-toi, il y aura plein de trucs nouveaux là qui vont arriver, du slap, des accompagnements, plein de trucs qui vont te permettre de progresser, tu vois. Voilà, allez, passe une bonne journée et puis surtout, il faut jouer. Ça, c'est vraiment un truc, tu vois. Ça sert à rien de faire. On peut te faire tous les blabla que tu veux, c'est ce que je te disais. On peut te raconter tout ce qu'on veut. Si tu peux prendre toutes les formations que tu veux, tu peux lire tous les bouquins. Si tu joues pas, ça sert à rien. Donc tu prends ta basse et c'est parti. Et ben je te remercie d'avoir suivi la vidéo et puis on se voit bientôt. Abonne-toi, il doit y avoir un truc là, un machin, un bip pour s'abonner. Ok, allez, salut, merci, ciao.